私たちはね、この Nous sommes ici dans cette belle nature, par la grâce du ciel. Mais cette belle nature a été souillée par les radiations. L'homme l'a dévastée. Ici, nous sommes sur mes terres. C'est là que nous faisons toutes sortes d'expérimentations et de mesures, tous ensemble, avec les agriculteurs du canton qui veulent continuer à se battre. Nous, agriculteurs, avec des chercheurs, nous venons ici et ensemble nous réfléchissons. Nous échangeons des idées et du savoir-faire. Et surtout, nous récoltons des données scientifiques. Ce qui m'a beaucoup frappé et touché, c'est le nombre de petites expériences locales, un peu partout dans la préfecture de Fukushima, dont les citoyens sont à l'initiative, et au moyen desquelles, en fait, ces gens de la vie civile, de la société civile, vont reprendre la main sur la maîtrise de leur environnement. Nous allons récolter le riz ce week-end. Il a déjà été testé une fois. Nous allons maintenant tout couper, puis laisser sécher le riz naturellement à l'air libre. Ensuite, nous procéderons à de nouvelles mesures. C'est la deuxième année qu'on fait comme ça. Mais le gouvernement interdit la consommation du riz de la région. Alors, quand on aura terminé de prendre les mesures de la radioactivité sur le riz, il faudra tout enterrer. C'est le gouvernement qui impose ça. C'est cruel, mais c'est comme ça. L'avenir des habitants de Fukushima est difficile à définir. La nature humaine veut que l'on a tendance à oublier les problèmes une fois les grandes difficultés passées. Il faudra sans relâche continuer la surveillance, sans relâche continuer à mesurer la radioactivité des aliments, la radioactivité de nos corps. Il faudra également un suivi médical constant afin d'assurer un diagnostic précoce et des soins rapides, le cas échéant. C'est tout ce que nous pouvons faire désormais. Il faut vivre avec cette contrainte. Aujourd'hui, on sait, avec tous les développements de la science, qu'il existe des gènes de prédisposition au cancer. Et forcément, dans la population, hommes comme femmes, on peut avoir des gens qui peuvent avoir une certaine susceptibilité au cancer, et donc une certaine susceptibilité au cancer radio-induit, puisque les radiations sont l'un des cancérogènes les plus connus à travers l'histoire des sciences. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'attribuer à chacun de chacune de ces populations, ou à chacun au sens de l'individu, un seuil particulier, le seuil, son seuil de risque de cancer radio-induit. La catastrophe n'est pas finie. Mais pourtant, la centrale n'est pas sous contrôle, par exemple, il y a toujours des fuites. Mais il y a une tendance à la normalisation. Déjà, il y a une volonté de normalisation très forte de la part du gouvernement, donc qui favorise tout ce qui peut abonder dans ce sens, hein, d'un retour à la normale. Et puis, il y a aussi une sorte d'usure des gens qui vivent sur place ou qui sont partis. Les gens qui sont partis, ils n'ont plus forcément envie d'en entendre parler tout le temps parce que, justement, ils veulent passer à autre chose. Les gens qui vivent sur place, c'est très compliqué de vivre au quotidien avec ce risque. On ne peut pas mesurer ses aliments trois fois par jour avant de préparer son repas. Donc, au bout d'un moment, je pense qu'on lâche prise. Désolé pour l'image un peu sombre et pas très optimiste, mais oui, je crois que le plus important, c'est de faire comprendre aux gens que les habitants du village d'Iitate
et ceux de la région de Fukushima s'efforcent de survivre. Est-ce qu'on veut laisser une terre souillée et inhabitable ou un environnement viable pour les générations futures? Je pense en particulier à la France. Je pense souvent aux Français qui, d'après ce que j'ai pu comprendre, exploitent très largement le nucléaire. J'aimerais que vous y réfléchissiez. Voilà tout.